Salut tout le monde, c'est Mario de 93, aujourd'hui 5ème partie sur Mario. Et Mario est en train de faire le bébé, allez, debout, il faut se mettre, bien se mettre droit. Il faut aller là-bas. Le bout, tu es moins rapide que moi. Bon. Alors, le truc à faire c'est, vous voyez ce bout là-bas, justement, le bout qui a voulu faire la course avec nous. Punch! On peut aussi faire ça, mais bon. Allez, on entre dans le manoir. C'est le niveau 5. Cherchez le Big Boom. Allez, j'espère que vous êtes prêts. Ça va peut-être pas être évident. Viens, entre donc, mon biquet. Viens dîner. D'accord. Bon. Donc, il faut aller là. Ok, ici, il n'y a rien. Il n'y a surtout rien. Il y a un piano Voilà, j'arrive même pas à parler. Démoniaque, je peux dire ça. Oh, je croyais qu'on pouvait. Oh, je croyais qu'on pouvait. Ok, il y a les deux là. Attends, il y a les deux en même temps. Boum! Les fantômes sont immortels. Pourrais-tu sortir d'ici? Et il va dire deux fois. Hein. Parce que comme j'en ai tué deux en même temps, voilà. Donc, il faut aller là maintenant. Ok. Là, ça compte pas en fait. J'ai déjà essayé. Oh! J'ai déjà essayé, mais le message n'est pas apparu. C'est ça que je veux que tu fasses, moi. Les fantômes sont immortels. Ah, oui. Connais la réplique. Bon, j'aime bien cette musique. Hein. Faut surtout pas tomber. J'ai préféré sauter parce que j'avais. Ok, qu'est-ce qu'il fait lui là? Qu'est-ce qu'il fait? Mais qu'est-ce qu'il fait? Il est coincé? Ok, c'est bon. Mais les fantômes sont immortels. Il reste un fantôme. On va voir s'ils sont immortels que ça. Si immortels que ça. Ok, il vient directement. Boum! Voici le seigneur des supplices, le maître des ombres, le souverain des cauchemars, le Big Boo en personne, tremblez, humain! Oulala. C'est vraiment démoniaque. Regardez sa grandeur. Allez, boum. Mais non, j'ai pas dit de faire boum. Il est rapide, hein. Allez, boum. Je l'ai plongé dessus. Mais bon, ça a quand même marché. T'aurais pu attendre que je sois sur toi, hein. L'étoile. 32e. Pour ceux qui savent pas, c'est ce que je fais là quand j'essaye de faire un ground pound avant de prendre l'étoile. C'est en fait une technique pour aller plus vite. Chercher le Big Boo. Okay. Regardez ça là, regardez ça. Bon, j'ai raté. Bon, voilà. Ça c'est dur parce que t'as voulu me tuer. Il est où? Il est là. Non! Quoi? Oh, enfin! Bon, la prochaine fois, je ferai juste un grand pound sans qu'il me voit, sans qu'il voit ma tête. Manège des bouts pas beaux. Ah, ils sont pas beaux les bouts. Ils sont pas beaux les bouts. Vous avez vu ça? Ils sont pas beaux. En fait, s'il y a dans le panneau, j'ai jamais lu en fait le panneau. Peut-être sur la version DS, tourner autour de certains ennemis peut faire tourner de l'œil. Hein? Comment ça? Vous parlez de ça là? Oui, il m'a pas vu. Allez, faut aller là-bas, Mario! Ah, ça serait parfait pour lui. Vous entendez la musique? Ok, c'est vers là-bas. Elle est là, la porte? Oui, elle est là, la porte. Mmh.
Non mais, ah voilà. Wow! Ça envoie des flammes. Ah, il est là. Ok. Regardez, c'est encore lui là. C'est encore le Big Boo. Big Boss. Boum! L'étoile. Mais non, elle est là-bas. J'ai fait ça pour rien, peut-être. En fait, je fais ça parce que pour regarder de... un peu de vidéo. Enfin, un peu de vidéo. Hein. Pour regarder du temps, voilà. Manège des boues, pas beau. Vous êtes pas beau, les boues, vous avez vu ça? Oh, oh, j'ai quand même réussi, même s'ils m'ont regardé. Même si on se regardait. Secret délivranté. Une étoile qu'on peut avoir super facilement. Vous allez voir de quoi je parle par facilement. Parce que d'habitude, on doit taper sur certains livres. Non, c'est pas ici. Voilà, c'est ici. Et on doit aller tout au fond là. Mais il y a une façon pour y aller plus vite. Je sais pas si je vais réussir. Bon, voilà, j'ai pas réussi. Extrêmement dur. Bon, je vais pas me prendre la tête, je vais directement rater. Je vais directement faire le truc des livres, mais le truc c'est que je me rappelle plus c'était quoi la formule. Non. Alors c'était O, ça et ça. C'était pas ça? Voilà pourquoi ça a pas marché. Mais pourquoi ça a pas marché tout à l'heure? Regardez, ça mène là en fait. Voilà. Donc, troisième étoile de cette vidéo. Secret des livres en tâche. En tête. Oh. Boum! Quoi? Voilà. Ah non, c'est pas l'heure des 100 pièces. On va aller faire une... Oh! Vous voyez le Big Boo là? On va aller le voir. Oh, plus vite! Il est où le livre? Voilà. Rebondis mur! Okay. Oh non! Rebondis mur! What? La voix? Youhou! Encore toi, Big Boo, je sais pas. Il se téléporte. C'était si facile. Oups, quelqu'un appelle chez moi. Bon, il est temps. Non, vous êtes sérieux? Moi, je vais pas faire tout le trajet, hein. Qu'est-ce qu'il a au ralenti, là, Mario? Mais allez, qu'est-ce qu'il a? En fait, d'habitude, on est censé faire ça. Non, ok, non, j'ai rien dit. Non, pas deuxième fois. Mais non, je sais pas qu'est-ce qu'on est censé faire d'habitude, hein. J'ai bien dit. Ah, bah si, en fait. Je me suis trompée.
étage. Ouais, mais là on voit rien en fait quand on fait le truc. On n'a pas un plus proche, non. Mais non! Voilà. Non, non, franchement, vous êtes sérieux. Je vous déteste tous. Quatrième essai, c'est... Enfin! Non, non, la caméra... Ouah! La qui tue... Non mais la qui tue... Yes. Yes, 20 vies. Oh là là. Enfin. Alors, la caméra recule pour avancer. D'accord. Alors, ce sera la fin, je pense. Oui, ce sera... Attendez. Donc, je pense que ce sera la fin, oui. Hein. En tout cas, merci d'avoir regardé cette petite partie sur Super Mario 64. Et on se dit à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Yeah. Yeah. Ooh. Ooh. Yeah.